aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pas de diamond painting aujourd'hui. J'avais pas envie. Voilà. Non, j'avais pas envie aujourd'hui. Je savais pas quoi trop quoi faire. Bon, déjà, j'ai rangé mon Capharnaüm ici. Enfin, j'ai rangé. J'ai refait de la place. Voilà. Et puis bon, j'avais pas envie de faire de diamond painting aujourd'hui. Puis je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai sorti mon coloriage. Là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Surtout celui-là. J'ai ressorti mon grand coloriage, mon grand livre de coloriage Steampunk. Voilà. Il n'est toujours pas fini celui-là, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins dans celui-là et les pages sont très grandes, donc c'est vraiment des grands dessins. Donc, quand je commence un, bon, il faut que j'ai le temps de pour le finir. Et donc, voilà. Et bah, du coup, je me suis mis à faire ça cet après-midi. Je l'ai terminé. Bon, j'ai pas fait le fond parce que je ne voulais pas. Voilà, j'ai fait que le personnage, ça me suffisait. Et ce que je trouvais que si je faisais le fond, ça aurait fait... Oh, j'ai froid. Comme il fait très froid aujourd'hui dans le Nord. Je sais pas chez vous, mais nous, dans le Nord, il fait très froid, il fait moins 1. J'ai trouvé que si je faisais le fond, ça aurait été vraiment trop. Voilà. Donc, je n'ai fait que le personnage. Donc, c'est une dame. Voilà. Vous verrez. Alors, je vous ai mis en début de vidéo les photos du matériel que j'utilise. Les crayons... Les feutres fins et les gels pen. Les gels pen, c'est ceux d'Action. Hein. Donc, ceux-là, vous ne les retrouverez pas en barre d'infos, puisque c'est ceux d'Action. Le reste du matériel et le livre de coloriage. J'ai froid. Oh. Allez, on dirait qu'on met de l'eau glacée dans le dos. Alors, du coup, j'ai mis un petit col roulé, mais... le reste, je vous le mets en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, pour le retrouver. Sinon, c'est tout. Oui. là, je vous ai... Ah oui, je vous ai mis, pour celles qui ne l'auraient pas vu, dans la communauté. Donc, vous regardez en dessous de la bannière, il y a une notée communauté. Parce qu'hier, j'ai fait ma... Alors, comme on dit ici, par ici... Alors, moi, je suis frontalière de la Belgique. Donc, je dis comme les Belges. J'ai fait ma cougnole. Voilà. Donc, nous, ici, on fête Saint-Nicolas, dans le Nord. Le Nord et la Belgique, on fête Saint-Nicolas. Et donc, moi, j'ai fait ma cougnole. Donc, c'est une brioche hein, qui représente le... Le petit Jésus, voilà. Donc, c'est une brioche avec deux boules, voilà. Oup. Et donc, j'en ai fait une hier, énorme, énorme. On en a mangé hier, on en a mangé aujourd'hui, il nous en reste encore pour demain, tellement elle est grosse. La prochaine fois, je la ferai plus petite. Parce que là, je vais encore en refaire jusqu'à Noël. Après, ce sera des brioches normales. Donc, je vous ai mis la recette dans la communauté, si ça vous intéresse. Que vous soyez du Nord, de la Belgique ou pas du tout. Voilà. Hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas du Nord ou pas de la Belgique que vous ne pouvez pas faire cette recette. Hein. Voilà. Mais bon, nous par ici, c'est une tradition, donc on l'a fait, enfin,
ça se perd quand même, je trouve. Même la Saint-Nicolas, je crois que ça se perd aussi. Puis bon, là, avec le Covid et tout ça, bah, il n'y a pas eu de Saint-Nicolas dans les écoles. J'en ai pas entendu parler. J'ai pas entendu que Saint-Nicolas est passé dans les écoles. Donc, je sais pas, mais bon, du coup, ça a perdu son charme cette année. Voilà. Donc, Saint-Nicolas est hyper fouettard. Cette année, ben, je crois qu'ils ne sont pas sortis. Voilà. Alors, le père fouettard, c'est pour les enfants qui sont pas sages. Saint-Nicolas, c'est pour les enfants qui sont sages. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera du coloriage. Alors, des fois, vous allez voir le dessin à l'endroit, des fois, vous allez voir dans l'autre sens, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est normal, c'est au montage, j'ai fait au mieux pour que vous voyez au mieux le dessin, puisque j'ai filmé avec mon téléphone de face et un peu au-dessus. Donc il y a des moments où je trouvais que c'était mieux que je remette le. Hop, que je retourne la vidéo pour que vous voyez mieux. Mais sinon, vous mettez carrément en plein écran et là, vous voyez très très bien. Voilà. Ou sur la télé. Si vous avez YouTube avec votre box, vous regardez sur la télé. Alors là, c'est impeccable. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je souhaite encore une joyeuse fête de Saint-Nicolas à tous les enfants. Voilà. Et je leur fais plein de gros bisous. Et maintenant, je vous dis à tous à très bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.